Bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue, bon réveil pour ceux qui dormaient encore. Donc, je vais parler avec vous de syndrome des mains inversées aujourd'hui. Parler de main percée, généralement les gens utilisent des expressions sans savoir de quoi ils parlent. Et le souci que j'ai souvent avec les gens, c'est qu'ils utilisent la spiritualité comme excuse pour accuser tout le monde de leur échec. Quelqu'un m'a dit, on m'a lancé le syndrome des mains percées. Comment trouver la solution aux mains percées? Je vais vous donner une explication et une solution aussi en même temps. Mon but, c'est de permettre qu'en 2024, que vous compreniez comment l'argent fonctionne. Que vous ne soyez plus victime. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes victimes de vos circonstances. Vous subissez les conséquences, vous ne les faites pas. Et même si pendant un moment, tu subissais positivement les choses, il y aura un moment où tu vas atteindre un certain plafond. Et ce plafond, ce sera juste parce que tu auras atteint le sommet des choses. Comment dire ça? C'est un peu comme quand tu viens d'arriver à l'église. Tu pries très peu. Tu regardes, tu prends ta Bible, tu fais la tombe là. 1, 2, 3, 4, soleil. Ah, ça me parle. Dans un début, ils vont te parler comme ça. Et après, il va falloir que tu sois attentif, que tu prêtes attention, que tu sois vigilant, que tu écoutes ce que l'Esprit te dit. Tu vas voir, il y aura des jours où l'Esprit va t'amener d'un côté, il y a des jours où il va t'amener d'un autre. J'ai parlé avec, j'ai consulté une dame hier. Elle a des dons, elle a des rêves prémonitoires, mais elle n'est pas consciente en fait que elle est dans un chemin. Dans un schéma, qu'elle est en mission. Ce qui fait que ses rêves prémonitoires, elle les néglige généralement. Et ce genre de personne qui ne donne pas de l'importance aux choses qui doivent être faites. On lui parle dans la nuit, on lui dit quelque chose. Elle va se réveiller le matin, elle va oublier volontairement. Elle ne pense pas qu'elle a des guides. Et là, elle me dit hier qu'elle est sur ma page depuis 2 ans. J'ai dit non, 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 je pense pas que ça fait 2 ans que tu me suis. Tu es tombé sur moi, peut-être ça fait 2 ans.
tu es revenu, après tu es parti. Mais dire que tu m'écoutes vraiment, non, je ne pense pas. Pour changer tes circonstances, tu dois comprendre que tu es maître, maîtresse de ta destinée. Les consultations sont payantes, ma chérie. Ceux qui sont sur ma page, j'enseigne gratuitement, mais je consulte, c'est payant. Donc, mon contact est sur ma page. Voilà. Juste en passant, il y a des arnaqueurs sur mes pages qui vous contacteront. Je ne vous écrirai jamais, premièrement. Donc, c'est à vous de me contacter en premier. Si je donne mes numéros chaque jour ici, vous ne les utilisez pas. Quand l'arnaqueur va vous contacter, vous croyez que c'est peut-être le sien que vous allez utiliser. Donc, vous devez entrer dans l'étape. En anglais, on dit mastery. Mastery. Mastery, ça veut dire que tu commences à maîtriser ton art de manifestation. Thank you, Queen. Tu maîtrises ton art de manifestation. Tu ne dis pas seulement en ligne que je suis la reine. On ne dit pas qu'on est reine. On ne dit pas qu'on est roi. Ça se sent. On est. C'est quelque chose que tu es. Le programme qui va commencer le premier s'appelle « Spirituel et riche ». J'ai des personnes qui ont commencé à s'enregistrer. Donc, c'est 30 jours. On le prendra en 30 jours pour créer quelque chose, pour accoucher quelque chose dans ta vie, pour utiliser sa spiritualité et devenir libre et riche. Donc, on aura des modules. Aujourd'hui, je vais parler... Le module financier est très vaste. Mais aujourd'hui, je vais toucher un aspect de ce module qui sera inclus dans cette formation. Les mains percées. Vous avez sûrement l'habitude d'entendre ça. Je n'aurais pas bien sûr la même définition que certaines personnes. Je suis coach et consultante pour les business. Mais en même temps, je suis guide spirituel. Je soigne les gens, mais je ne suis pas que magnétie. J'ai fréquenté. Avant que la fête ait commencé sur moi. Donc, j'utilise d'abord mon background pour enseigner et pour guérir. Vous avez beaucoup de maladies que vous pointez chez les tradis praticiens parce que, oh, il y a ça. Beaucoup de vos problèmes ne sont pas mystiques. C'est d'abord vous-même. Vous manquez de discipline. J'ai parlé du lavage au sel sur ma page tellement de fois. Beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez quotidiennement, mais vous ne vous lavez pas au sel. Parce que vous pensez que vous maîtrisez. Il y en a, vous m'écoutez depuis 2 ans. Rien n'a changé dans votre vie. Je m'attends un peu. Je sers à quoi dans tes oreilles, donc? Et c'est ce genre de personne que je ne veux plus cette année. Donc, main percée, quand on dit main percée, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir l'argent. La première chose déjà, c'est que on ne vous a même pas enseigné comment utiliser l'argent. Vous savez ça, non? On vous a dit que l'argent, c'est pour acheter la voiture. L'argent, c'est pour acheter les chaussures. C'est pour acheter le grand téléphone. C'est tout ce que tu sais de l'argent là-bas. Thank you.
La preuve, si tu regardes ce que tu as fait avec ton argent dans les 12 derniers mois, la grande partie de ton argent est partie sur les achats. Pour savoir à quoi sert le bain de sel, va regarder. J'ai mis des vidéos sur ma page. Aujourd'hui, je n'en parle pas. Donc, sors de ce direct, va sur ma page, tu regardes les premières 3 vidéos. Merci. On vous a appris à dépenser l'argent. Donc, votre syndrome de main percée est d'abord dans votre tête. Votre énergie est une énergie dépensière. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de compte épargne. Parce qu'on ne vous l'a pas appris. Vous n'avez pas grandi en voyant votre mère économiser de l'argent. Vous n'avez pas grandi en voyant maman peut-être sortir beaucoup d'argent. Ou bien maman déposer de l'argent quelque part. Que je suis en train d'économiser. Non. Ce qui fait que vous avez dans votre énergie, donc on va dire, si vous aviez de l'argent aujourd'hui, ça s'évaporerait de toutes les façons. Donc, si on, peu importe la somme que tu nommes, si on te donne ça aujourd'hui, tu vas dilapider. Et quand je dis dilapider l'argent, ce n'est pas que consciemment. Tu vas peut-être aller, j'ai payé ça par mais je sais de quoi je parle. J'ai payé les frais de ça. Donc, si tu as de l'argent aujourd'hui, tu prendrais pour aller acheter un téléphone. Et en achetant le téléphone, tu ne saurais même pas pourquoi tu achètes le téléphone. Tu veux faire des belles photos. Tu fais des photos pour faire quoi? Je veux poster. Est-ce que tu vas poster tes photos? Ça va vendre un produit? Non. On va me voir, non. Vous comprenez? Quand vous dites main percée, j'ai les mains percées. Tu n'as pas les mains percées. C'est ton esprit qui ne sait pas comment utiliser l'argent. J'allais dire esprit percé, mais c'est trop, ce serait comme une injure. C'est ton esprit qui ne sait pas comment utiliser l'argent. On a grandi sans apprendre à économiser. On a grandi sans apprendre à planifier nos projets. Quand tu vois un entrepreneur qui a un projet, si tu lui demandes que tu vas prendre l'argent où? J'attends que quelqu'un vienne investir sur moi. C'est ça, non? N'est-ce pas? Rolex, je ne suis pas ici pour qu'on vienne me dire qu'on n'arrive pas à garder l'argent. Écoutez, si tu écoutes mon speech, ne te correspond pas. Parce que vous allez, oh, je perds l'argent. Tu ne perds pas l'argent. Je suis en train d'expliquer. Donc, vous n'avez pas appris à économiser. Vous n'avez pas appris à mettre un projet sur pied et à financer le projet. Vous attendez toujours que quelqu'un vienne vous donner. La façon dont le système est conçu en Europe, le système n'est pas conçu en Europe pour que quelqu'un soit indépendant financièrement. Quand tu n'as pas d'emploi, par exemple, l'État te donne l'argent. Donc, il y a toujours quelqu'un. On vous a habitué que ce sont les banques qui doivent vous donner l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en Afrique,
qui achètent leur maison cash. Il prend le terrain de 40 millions, il sort 40 millions. Que c'est son agent, hein? Les maisons que vous achetez à 150 000 euros, vous payez sur 20 ans. Il y a des gens en Afrique qui te donnent l'argent de ça. Cash. Qu'il est parti là déposer, économiser, économiser, économiser. Quand ça arrive à 100 millions, il dit, je cherche la maison pour acheter. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses que quand vous ne connaissez pas. Parce qu'on touche tous de l'argent. De façon ultime, tout le monde touche de l'argent. Mais ce qui différencie, qui dit que vous allez les mêmes percées. Mais n'utilisez pas les expressions de tout le monde. Les bas janvios, les bas mêmes percées, les bas maris de nuit. La voiture que tu vois là, tu peux voir que quelqu'un avait la voiture de 20 millions. Qu'il a sorti 20 millions, il a payé la voiture avec. C'est pas qu'il est parti à la banque pour qu'on lui donne. Non. Ça existe. Et vous devez comprendre que peu importe votre âge, vous êtes constitué d'énergie. Toi, comme tu m'écoutes là, ce qui régit ta vie, c'est une énergie. Cette énergie est constituée des environnements où tu as grandi. De tes parents, de tes oncles et tantes, tes frères et sœurs, les enseignants, ceux qui t'ont enseigné à l'école. C'est ça qui constitue l'énergie que tu es aujourd'hui. L'énergie qui habite le corps, qui est en train de tenir le téléphone avec lequel tu m'écoutes. Donc, cette énergie ne peut pas inventer quelque chose. On ne fait que ce qu'on a vu quelque part, ce qu'on a appris de quelqu'un. Comme là, je suis en train de vous enseigner. Certains vont intégrer ce que je dis dans leur énergie, certains ne vont pas. Mais votre énergie est constituée de ce que vous avez appris et de vos leçons. Il y a des leçons que personne ne t'a appris. Tu as allé, ça t'a brûlé. Ça t'a brûlé. Après, tu as dit que je ne ferai plus jamais l'autre aussi. Bonjour. Donc, on ne vous a pas appris à économiser, on ne vous a pas appris à être indépendant financièrement. Soit une fille pas à l'université, elle dépend de sa mère et de son père. Un gars veut commencer un business, il dépend. Donc, j'ai consulté une dame hier. Bon, j'ai consulté quelques personnes très tard hier, j'ai fini vers 23h30. Et la dame me dit, voilà, son fils a commencé le football, après il a laissé, il s'est fait mal au pied, attaque spirituelle. Et là maintenant, elle paye l'appartement de son fils. Elle paye, elle lui a donné de l'argent pour qu'il lance son business. S'il y a un faux profil qui arnaque, je dis chaque jour dans mes vidéos, c'est qu'il y a un faux profil qui arnaque les gens, non. Si vous voulez ça arnaquer, tu veux quoi? Hein, mamie? Un arnaqueur ne peut arnaquer que les gens qui se laissent arnaquer. Tu veux qu'elle vous dise que quoi? Je poste mes vidéos ici, là. Je mets mon numéro, vous ne contactez pas. C'est peut-être c'est l'arnaqueur que ça va passer avec lui. Donc, elle dit qu'elle s'occupe encore financièrement de son fils. Même le business qu'il est en train de faire. Tu sais que quand quelqu'un finance ton business et quand toi-même tu as mis 1, 2, 3 de côté pour lancer le business, c'est différent. Tu sais ça. Quand c'est ton sugar daddy qui t'a... Tu as souvent dit, oh, je veux le shopping. Il porte 5 millions, il te donne. Tu prends 1 million, 1 million 2. Tu prends le loyer 1 an. Tu pars peut-être quelqu'un qui fait un grossiste de Turquie. Tu prends les produits, tu viens, tu déposes. Tu ne peux pas avoir la pression de vendre tes produits. Et si ça ne marche pas, tu ne peux pas te rendre compte. Non. Merci, Jamel. Tu ne peux pas te rendre compte. Parce que tu es financé.
Tu es financé. Et si le sugar daddy là te quitte ou tu le quittes, tu vas encore chercher un autre sugar daddy. Parce qu'en toi, il n'y a pas. Je sais que parfois, vous pensez que ces personnes vous font du bien. Je remercie toutes les personnes qui m'ont refusé des prêts financiers. Je remercie toutes les fois où, quand je suis arrivée au Cameroun, je n'avais personne pour m'avaliser à la banque. J'ai commencé. Finalement, ça m'a déterminé que si elle veut quelque chose, si elle veut acheter quelque chose, ça allait me prendre 2 ans pour payer à la banque. Je vais juste retarder ma gratitude, mon enjoyment, on m'a dit comme ça. Si ça devait me prendre 2 ans pour payer, je reçois ça en 2024 pour finir de payer en 2026. Je vais me discipliner, je commence à mettre mon argent en 2024 et j'enjoye en 2026. Tout. Si ce que je vous dis peut vous aider. Parce que c'est pas tout le monde qui va venir payer 200 euros pour entrer dans ma formation. Et si tu entres même, tu es par dessus, je te chasse. Je garde ton argent et te chasse. Je vous dis d'abord en avance. Donc ne venez pas vous penser que vous allez venir commencer à tourner. Je donne le devoir, tu ne fais pas. Je te sors de ma, je te chasse. Voilà. Bonjour Sandrine. Tu as fait 2 semaines sans écouter mes vidéos. Ça veut dire que tu ne me sers pas. Désabonne-toi de ma page. Tous ceux qui sont en train de me dire bonne année là. Ça veut dire que tu as fait 2 semaines sans chercher mes vidéos. Donc je ne pense pas que je suis utile dans ta vie. On ne vous a pas appris à mettre de l'argent de côté. Et même les tontines que vous dites. La tontine, combien de fois vous n'avez pas fait des trucs intéressants avec l'argent de votre tontine? Tu économises, tu te retrouves avec un argent que tu n'as encore jamais eu d'avant. Ton esprit commence à courir dans tous les côtés. Oh my gosh, I can do this, I can buy this. Oh wow, I can do this, I can do this. Petit problème sort, tu sors l'argent. Et c'est comme si les problèmes voient tes économies. C'est comme si les problèmes connaissent que tu as reçu ton salaire. Donc, pour ceux qui vont partir, je vous donne déjà en avance. L'argent n'est pas censé stagner dans ta vie, dans ton compte bancaire. L'argent est censé couler. L'argent est censé couler. Et ce que je vous explique est en même temps spirituel. Pour combattre certaines batailles spirituelles, tu as besoin de connaissances. Il y en a parmi vous, certains cycles répétitifs de votre vie vont être brisés par des connaissances que vous allez ajouter au travail spirituel que vous faites déjà. Tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. C'est bien, tu pries, c'est bien, tu jeûnes. Mais la prochaine fois que tu vas te retrouver, il y aura un cas de maladie dans la famille encore, alors que tu viens de porter ton argent à la réunion. Je rappelle qu'il y a des signes par lesquels tu dévoiles. Tu faiblis, premièrement. Tu faiblis devant le problème. Vous savez ça? Quand il y a un problème dans ton forum familial, si tu ne dis pas que tu as l'argent, personne ne saura que tu as l'argent. Ce sont les leçons que j'ai apprises de ma famille. Avant que je sois dans le groupe familial, j'étais dans le genre que s'il y a une situation comme ça, je suis la première à vouloir donner. Après, je travaille avec quelqu'un de ma famille. On est sur un projet. Je dis, sors 5 millions. Je vois comment la personne sort l'argent là facilement. Elle dit, ok. Quels sont les problèmes de 20 000 dans la famille? Tu fais comme si tu n'as pas, non? Waouh! En fait, donc c'est moi. Ce sont des leçons que j'ai apprises. Oh, telle personne va mourir. Oh, on va opérer l'autre, elle va mourir bientôt. Oh, cotiser. La personne dit que j'ai envoyé mes 20 000. Après, la personne est sereine.
Leçon numéro 5293. Personne ne vient mettre le couteau sur ton cou que donne ton agent. C'est toi qui portes ton agent. Tu proposes. C'est toi qui dis que tu as l'argent. Pour guérir ça dans mon propre esprit, voilà ce que je me suis toujours dit. J'avais commencé ça en 2017. Si jamais je meurs et que ma famille continue d'avoir les problèmes, n'est-ce pas, ils vont résoudre ça en moi? Parfois, il y a des choses qui se passent dans la famille, tu es injoignable. Tu reviens dans le... Tu te connectes 3 jours plus tard. Tu dis, oh, je vois une voix qui avait tel problème. Vous avez fait comment? Ah non, 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 on a résolu. Alors que si tu étais connecté à 3 jours, tu aurais essayé de faire Superman. Si les jeunes peuvent m'écouter, si vous pouvez m'écouter, si quelqu'un peut avoir 22 ans, il m'écoute, maximum 28 ans. Ta famille ne va pas te reconnaître. Je connais la puissance qu'il y a dans mes paroles. J'ai tellement envie de m'hydrater. Bon, je continue. Une minute. Vous êtes faible devant le problème. Quand une situation se passe, et vous connaissez les Africains, je me marie, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma soeur. Vous savez combien d'avis de décès on me donne par semaine? Quand le programme des obsèques sort, tu m'envoies qu'elle fasse quoi? Je vais commencer à avoir les forfaits de 2000. Tu me dis que tu as perdu ta soeur, je t'envoie 2000. Tu vas voir, la personne va se fâcher. Un jour, je travaille avec un monsieur. Chaque fois qu'on fait un deal, moi, je lui donne son argent. C'est comme un homme de main. Il reste ici, comme on a dit, je me marie. Ah, faut que tu m'envoies la boisson. Il m'indique même au quartier, l'endroit. J'étais pas à Libreville, il me dit, voilà. Il y a le monsieur, si sa boutique là-bas, il vend les liqueurs. Tu peux m'envoyer là-bas, je ne vais pas prendre la boisson. Je dis, mais monsieur, tu es un homme. Tu as décidé d'aller te marier. Pourquoi c'est moi qui dois te donner de l'argent? Pourquoi je dois acheter la boisson de ton événement? Si on travaille, on fait un deal, je te donne ton argent, je te paye, ça c'est sûr. Ceux qui font business avec moi, je te paye quand je te paye. Mais il ne faut pas venir après que, ouais, comme je décide de me marier. Non, je peux donner comme je peux ne pas donner. C'est mon choix. Oh, c'est la bonne année. Voilà la Saint-Valentin qui arrive. On vous guette. Ah, c'est Saint-Valentin. C'est quand même mon gars. Les femmes, par exemple. Voilà l'affaire de maillot sur nous. Affaire de maillot sur nous. Tu es obligé d'acheter le maillot au gars là. Suivre les traînes. Si tu peux mettre dans ton esprit qu'il me faut 15 000, il me faut 20 000, et tu arrives à avoir ça, tu achètes un maillot, que ce soit pour toi, que ce soit pour le gars, ça veut dire que tu peux dire il me faut 150 000, il me faut 1,5 million pour acheter le terrain. Tu peux aussi avoir, non. Mais comment ça se fait que les jeunes, nous là, que ce ne soit pas ce qui vient à... Donc, la première chose qui saute, que ce ne soit pas ça. Donc, vous êtes faible devant le problème. Vous êtes faible. Et ça, c'est généralement parce que, énergétiquement, vous dépendez de l'approbation des gens.
Ton gars te dit qu'il veut manger. Il ne te donne pas l'argent pour préparer. Si le soir, il vient te visiter, tu n'as pas préparé. Ou tu as fait ton riz sauté avec le mbunga. Il commence à bouder. Comment je ne mange pas ça? Pourquoi tu as la logique, tu me lui dis que, mais papa, tu ne m'as pas donné l'argent pour faire à manger. Et c'est ma maison. J'ai préparé ce que je voulais et ce que je pouvais avoir à faute. C'est parce que émotionnellement, il y a toujours cette dépendance affective. Un jour, je reste. Un soi-disant chocolat m'envoie la photo d'un endroit où on fait le blanchiment dentaire. Il me dit, je veux que tu m'offres ça. J'ai dit, tu restes, tu penses à devenir beau. Tu veux que je paye pour tes soins de dents, tes soins dentaires. Mais où va le monde? S'il te plaît, qui est venu? Comme tu es venu pour solution même percée. S'il te plaît, attends, je te bloque. Vous n'aimez pas qu'on vous enseigne. Vous n'aimez pas qu'on vous enseigne. Et cette personne qui me demandait les soins dentaires, là, c'est quelqu'un que j'ai voulu coacher cette personne dans le business. Donc, tu demandes qu'on te donne un truc qui coûte 50 000. Tu ne peux pas me dire que donne-moi 50 000, je lance mon business avec. Je veux vous écouter vraiment. Hein. Tout pour lui, c'est qu'il veut 50 000 pour aller blanchir ses dents. Parce que quand il va faire le snap, il sera... Ses dents vont briller. C'est tout. Évitez même de côtoyer le genre de chocolat-ci. Même dans Libé, là. Non. Don't DM me. Ne me DM pas. Ne me DM pas, papa. Les filles, vous devez savoir détecter les personnes. On est à 8000 tapotages sur TikTok. S'il vous plaît, qu'on arrive à 30 000. Tapotez juste. Ma chérie, Sako Yaya a acheté le téléphone à la fille là. Sako, écoutez bien Sako Yaya. Sako Yaya, c'est pas... Sako Yaya, c'est le gars rare. Repartez, écoutez ce que la fille dit de Sako Yaya. Sako Yaya lui a acheté le téléphone. Sako Yaya ne mange pas l'argent des filles. Sako Yaya a repris son téléphone parce qu'elle a trompé. Comprenez bien. Donc, vous devez résister aux émotions que les autres personnes provoquent chez vous. 90% de vos dépenses sont émotionnelles. I want to feel good. Et vous savez, le meilleur des sentiments, vous savez celui que c'est? D'ouvrir ton compte chaque matin et de voir que ton argent a augmenté. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne sais pas si c'était un pauvre qui a dit ça. Je ne sais pas. Que ton objectif soit d'accumuler de l'argent. Ça, c'est la première étape. Chic, c'est bien comme tu penses à moi quand tu prends les bonnes décisions. Première étape, ton argent s'accumule. Et quand tu développes la capacité d'accumuler l'argent, ça veut dire que tu as résisté aux envies de dépenses. Tout le monde a les envies de dépenses et les tentations de dépenses. L'argent, un peu, c'est comme un prix. It's like a price that you carry. C'est comme un trophée. Et à chaque fois que tu as des objectifs, cours pour aller déposer là-bas.
Tu as reçu ton salaire. Passe d'ici à là-bas sans perdre ton argent. Du coup, ou les chaussures, ou la nouvelle version du téléphone. Voyage. Un beau mec. Il faut que tu achètes l'habit pour lui plaire. Il faut que tu résistes. Va faire tes ongles. Fais tes ongles. Tu résistes. Parce que j'ai un objectif. Le mois, si je dois mettre de côté 50% de mon salaire, ça, je ne donne pas une somme fixe parce que je veux que vous puissiez comprendre. 50% de 1000 euros, c'est 50%. 50% de 20 000 euros, c'est 50%. Ton objectif ce mois, c'est que tu veux mettre de côté telle somme. La connexion est finie. Tu ne peux pas rester sans TikTok. Tu mets, te voilà la nuit. Il vous reste, vous avez utilisé 50% de vos télétas. Il vous reste 693 mégas. Oh, nous sommes désolés, vous n'avez plus. Donc voilà, la nuit, je charge encore. Beaucoup d'entre vous, vous dépensez tellement d'argent sur Internet. Mon but, c'est que vous ne restiez pas les mêmes personnes. Même démon, là, il va venir, il va te voir. Tu vas le regarder, tu vas te sortir chez moi. Le démon est dans l'ignorance. Que tu ne connaisses pas ton pouvoir. Que tu ne connaisses pas ce que tu es censé avoir ou faire. Que tu ne connaisses pas ce que tu peux faire. C'est ça son but. Donc tu dois savoir résister à toutes les envies de dépenses qui vont te traverser l'esprit. Oh, tu sais, c'est quand même les fêtes de Noël. Il faut dépenser. Il faut quand même manger africain. Te voilà. Voilà, elle dit qu'elle a résisté à la tentation de se faire les ongles à 25 000 pendant les fêtes. Ça veut dire que, imagine le business que tu peux lancer avec 25 000, chérie. Ne voyez pas comment elle fait mes ongles maintenant. Hein? L'argent avec lequel elle fait mes ongles, cela. Hein? Avant, 25 000 pouvait être mensuellement, ça pouvait être 10% de mes revenus. Vous imaginez? Quelqu'un qui touche 250 000, 25 000, c'est 10%. Aïe! Jesus! Il y a les filles qui sont à 100 000 francs le mois qui partent faire les ongles de 25 000. Yeah! Je vous exorcise. J'enlève les démons là de votre corps. Que vous partez mettre l'argent de la dîme sur la manicure. Yeah. Jesus. Si tu fais ta manicure à 40 euros, parfois c'est 5% de ton salaire. Moi-même, je n'ai pas réalisé. Wow. Je le fais maintenant parce que si je fais ça à 25, mais peu importe le prix, dans mes revenus, c'est tellement infime. Tellement. Il y a tellement de choses qui sont comme des priorités pour vous. Mais c'est comme si l'ordre a été chamboulé. Il y en a parmi vous, pour vous, la manucure, c'est la base. Souvent, même, il y a des saisons de ta vie que tu vas devenir noir. Parce que l'huile que tu mettais, qui coûtait 200 euros là, tu as besoin d'investir sur ton business. Donc, pour la saison là, pas d'huile pendant 6 mois. Je m'en fous si vous me dites que j'ai une moisie.
25 000. 10% du salaire d'une dame qui touche 250 000 au mois. Jesus. Jesus. Wonderful. Je sais pas si c'est... Personnellement, I wouldn't do it. Je ne le ferai pas. Je ne prendrai pas 10% de mes revenus pour aller mettre sur mon corps. Ah non, non, non. Je vais acheter le t-shirt. Je vais tailler mes ongles. Je vais même rouge avec les doigts. Hey, qui est? Je ne sais pas là, quand je vois le pourcentage. Parce qu'au Cameroun, le salaire moyen, c'est 100 000. Mais qu'en est-il de toutes ces filles qui font les manicures? Merci Candy, bonjour. Wow. J'aime beaucoup vous enseigner en... J'aime vous enseigner en termes de pourcentage. Parce que quand tu prends le pourcentage, tu es en mesure de comparer et de voir sur ta vie, sur ton salaire, sur ton quotidien, sur ton revenu. Il y en a, vous payez le loyer. Votre loyer, c'est 50% de votre revenu. C'est dangereux. C'est dangereux, chérie. Okay. On va ouvrir, non? Je suis pas prêt de parler des rêves aujourd'hui. Je ne sors pas. Je ne sortirai pas de cet enseignement financier. Aujourd'hui, j'enseigne sur les finances. Ok? J'enseigne sur les finances aujourd'hui. 6 mois sans mettre la perruque. Oui. C'est ce qu'on appelle la gratification retardée. On ne t'empêche pas d'avoir les perruques. En fait, j'ai tellement passé tellement d'années dans ce mode-là que actuellement, ce n'est pas évident pour moi de rentrer en mode poupée tous les jours. Il y a une période où j'ai commencé à me maquiller. Premièrement, ça me prend trop de temps le matin. Pour moi, une heure que je passe à m'apprêter, j'aurais pu enseigner pendant une heure. Je ne sais pas pourquoi j'aime tellement valoriser. Pour moi, quand il prend, je prends 24 heures, je suis éveillée pendant 10 à 12 heures, donc en train de bouger active. De 7h à 19h, 12h. Je vois que ça doit prendre une heure sur ça. 10% de mon temps le matin seulement pour... Non, c'est beaucoup. Aïe. Aïe. L'affaire de main percée, hein, c'est que tu n'étais... Ceux qui vont rejoindre la formation qu'on commence le premier là, formation riche et belle. Pardon, riche et belle, intéressant. Riche et spirituel, pardon. Voilà, René dit qu'elle a une boîte dans laquelle, quand elle voit quelque chose qu'elle aurait voulu acheter, elle va plutôt mettre l'argent de ça dans la boîte là. Donc si c'est 30 euros qu'elle voulait acheter, elle va mettre dans la boîte là. Ça, c'est super idée, ça. Parce que quand tu te prives de quelque chose, tu dois faire quelque chose avec l'argent là. Parce que généralement, on se prive parce qu'on va faire... Je me prive de faire ce make-up parce que je suis en train de venir enseigner. Ce n'est pas pour m'asseoir sur TikTok. Vous comprenez? Donc, on se prive de faire quelque chose avec son argent ou son temps parce qu'on va venir utiliser ailleurs. Ta question peut être pertinente pour toi, mais pas pour moi. Donc, vous voyez un peu. Je peux dire que je ne prends pas mon temps le matin pour faire le make-up, mais je suis sur TikTok pendant une heure. Je zappe. Quand je finis de zapper, une heure est passée. Mais je préfère prendre cette heure-là pour venir enseigner. Ce qui est différent. Donc, ce qu'on économise, c'est parce qu'on va utiliser pour faire autre chose. S'il vous plaît. L'enseignement s'est ancré dans ma chair en 2020. Je vais te bloquer, monsieur qui cherche la femme.
Attendez, je bloque quelqu'un qui veut faire l'intéressant. Je parle pas aux gens qui n'ont pas plus de 10 000 abonnés. Va travailler, tu obtiens 10 000 abonnés, tu viens, on parle. On continue, non? Depuis qu'elle s'est rasée, elle s'est rendue compte qu'elle dépensait beaucoup pour faire les tresses. Imagine. Beaucoup de choses qu'on fait dans le monde, c'est pour un effet. Oh my God, un beau papillon. C'est pour un effet immédiat. On aime tic ou tac. Tic ou tac. Tu veux faire une belle coiffure parce qu'on va apprécier immédiatement. Oh wow, t'es jolie. Vos compliments là, ça me donne l'argent. Ah, Kabama. Et est-ce qu'un jour j'ai fait le make-up là, vous m'avez vu avec le make-up là, quelqu'un est venu me faroter parce qu'il était belle. Par contre, je peux enseigner, tu viens me payer. Parce que tu as trouvé que mon enseignement était intéressant et que tu veux plus. That one you can do. Jacques, bonjour. Donc, je disais, les mains percées, c'est parce que vous ne savez pas comment vous retenir sur certaines choses. Ça t'est déjà arrivé de sortir 1 million de la banque. Tu pars pour faire quelque chose, tu n'arrives pas. Tu te retrouves le soir, tu as 750 000 sur toi. Je te dis, mais j'ai même dépensé, j'ai même fait quoi? Alors, tu es arrivé en ville. Telle personne demande, oui, 10 000. Oh, c'est beau, une belle chaussure. Attends, j'ai 100 000 dans ma poche ici, non? 100 000. Oh, wow! L'argent, hein, ça va toujours se dépenser. L'argent va toujours se dépenser. L'argent va partir. Ça, merci. Par contre, par exemple, l'autre jour, j'ai sorti de l'argent. J'avais sur moi 1 million 5. Je devais aller faire un deal. Et on est arrivé. La personne nous a dit que on ne peut pas faire. Je vous assure. Il m'appelle à 15h pour dire encore, c'est possible. J'avais 550 000 sur moi. Le matin, j'avais 1 million 5. Si quelqu'un n'a pas 10 000 abonnés et qu'il est pauvre, ne venez pas commenter sur ma vidéo. Ne viens pas commenter ta pauvreté là, ça me donne les maux de tête. Tu comprends? Ça me donne les maux de tête. Tu es pauvre, tu n'as pas d'abonnés. Tu viens parler. Tu parles comment, pourquoi? Hein? L'argent est là pour nous servir. L'argent, c'est une énergie. Maintenant, je vous enseigne sur les façons de discipliner votre argent parce que votre énergie d'abord. Parce que, croyez-moi, dans le monde énergétique, quand vous avez quelque chose, il y a les gens qui sentent. Il y a les gens qui sentent. Ça n'est pas un doute que quand tu as peut-être, on te paye. Hein? Le jour où on te paye, j'ai dit que je parle pas aux gens qui ont les. Si tu n'as pas plus de 10 000 followers, ne viens pas parler sur ma page. Ne viens même pas dire ton nom. Tu n'en vaux pas la peine. On te paye la semaine là. Oh, mon enfant est malade. Oh, tata, il y a telle chose. Oh, ceci. Pourquoi? Donc, énergétiquement. Vous ne savez pas ce que ça m'a pris comme travail. Je travaille sur moi depuis 2014. Même si je dors, l'argent va entrer dans mes poches.
Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Disciplinez votre énergie. Ce sont les paresseux et les jaloux. Ça t'est déjà arrivé que les parents vous ont donné les mêmes portions de nourriture ou même portions d'argent, peu importe. Toi, tu es le genre que tu pars, tu sors, tu farotes, tu achètes ton pain, tu manges avec tout le monde. Hein? Ta soeur, elle met ça, elle attache. Elle met dans son soutien, ici-là, dans son bolet. Ah, tu n'es pas gentil, tu n'aimes pas donner des choses aux gens. Deux jours plus tard, il y a la sécheresse dans la maison. Pas de nourriture. Elle fait comme ça, là. Elle peut acheter son pain. Est-ce qu'elle est obligée de te donner son pain? Répondez-moi, s'il vous plaît. Tu es parti dépenser ta part. Elle peut s'asseoir, elle mange au soleil. Elle peut s'asseoir, trempe dans la sauce. Elle mange. Elle peut faire ce qu'elle fait avec son pain. Beaucoup d'entre nous, ce qui nous manque, c'est la sagesse. Toi, tu es parti, tu as faroté ta part. Beaucoup d'entre nous, on farote notre énergie. Parfois, si tu as la trentaine, ça se voit déjà. Ceux qui ont été à l'école, ils ont forcé. Je me rappelle, j'ai une amie qui est médecin aujourd'hui. On a fait l'uni ensemble. Première année, deuxième année en Ouéguélé. Après, elle est partie à UDM. Moi, je suis partie en Belgique. Au fil des années, on s'est reconnecté. Tous les cinq ans, on se reconnecte. Il y a des saisons où on s'est vu. Moi, j'avais déjà l'argent. Un peu là, comme ça. Et elle était encore sur les bancs. Cinq ans plus tard, elle est sur les bancs. Sept ans plus tard, elle est sur les bancs. Quand elle envoyait souvent des époques, je me disais, ah, toi, tu as choisi de souffrir. Aujourd'hui, elle a son cabinet. Les années où moi, j'étais en train de me, tu joues la vie, je suis le snap, L'autre est là dans les cahiers, sa tête chauffe. Qu'est-ce que ça vous fait de voir certains de vos camarades de classe qui ont certains statuts? Je rappelle qu'ils ne vous doivent rien. Si elle est même médecin, elle a son cabinet, elle n'est pas obligée de te faire la consultation gratuite. Tu viens, tu payes. Et ton apprentissage ne viendra pas avec le temps. Tu peux apprendre ce que tu dis ici à 5 ans, 5 ans. Tu peux apprendre ça à 20 ans. Vous me suivez? Apprends à semer. Tu attends. Et en attendant, parfois, tu viens encore semer. Et ce que tu as semé, ça fait 5 ans. C'est dans 2 ans que tu vas récolter. Donc, c'est 7 ans plus tard. Pendant 7 ans, tu ne fais que semer. Tu ne fais que semer. Le syndrome des mains percées. Un moment, je croyais que j'avais le syndrome des mains percées. Parce que j'investissais beaucoup. Je vivais sur un petit budget. Vous avez remarqué mes habits blancs, non? Vous avez remarqué mes habits blancs, non? Ça, généralement, j'ai quelqu'un qui m'achète ça au marché central. C'est maintenant que souvent, je couds mes habits. Ça, quand on m'achète au marché central, souvent, on m'achète ça à 7 000, souvent 8 000. J'en ai plein dans mon armoire. Et je m'appelle à l'époque, j'avais plein de t-shirts. J'avais choisi un studio, petit budget, je payais 75 000. J'avais l'enfant, je ne pouvais pas vivre dans une chambre. Tout mon argent partait pour mes... J'avais les trépieds, le téléphone, les lumières. J'étais toujours en train d'acheter quelque chose.
Si on me compare à quelqu'un qui dit aussi qu'il a les mêmes percées, à la fin du mois, nous deux, on n'a pas l'argent. Hmm? Mais moi, mon argent, j'ai acheté mes trépieds avec. Moi, mon argent, j'ai... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Très vite, j'ai compris que personne ne va investir sur mes business, sur mes idées. Il y a des périodes quand je faisais encore dans les meublés. Je décide pendant 2 mois, tout l'argent que j'économise, j'aménage le meublé avec. Après, je prends l'argent du premier meublé. Je peux aménager le deuxième meublé. Donc, en 6 mois, je me retrouve avec 2 meublés. Tu crois que le 7e mois, je vais manger l'argent? Je prends encore... Donc, parfois, je me retrouvais sur 18 mois que je n'ai pas mangé un argent. Monsieur Mempessé et moi, on peut se rester, on n'a pas physiquement un argent quelque part. Merci, Tico. Vous voyez la différence? Vous voyez le contraste? Vous comprenez? Et mettez, en anglais on dit assets. Put some assets in place. Assets en français c'est quoi? Je suis vraiment... Moi j'ai beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses en anglais. Assets, what is assets? Je vais chercher la traduction sur Google. Les actifs. Un actif, c'est quelque chose qui tourne et va te produire. Je vais vous dire, voilà mon plan, voilà ma stratégie pour devenir riche. Bonjour ma belle. Et ça commence par les plus petites choses. Tu peux avoir, tu fais bouillir les œufs, tu déposes chez le boutiquier avec le piment. Tu fais les pili-pili, tu fais les nems, tu déposes chez le boutiquier. Voilà ton premier actif. Ton gars te donne 10 000, tu fais le bisap, tu mets dans le congélateur du boutiquier. Voilà ton actif. Donc, quelqu'un est parti dépenser pour acheter la connexion de TikTok. Il a mangé. C'est passé. Il a regardé ses vidéos sur TikTok. En passant, si vous regardez mes vidéos, si tu mets tes 500 par jour pour regarder mes vidéos, tu es en train d'investir sur toi. Je te le dis seulement. Prends un mois. Tu prends 15 000 francs. 500 par jour. Tu regardes mes vidéos. Si le deuxième mois, ça ne te produit rien, reviens me voir. Et tu me prouves que tu m'as regardé tous les jours. Merci beaucoup, Touré. L'enseignement qu'elle donne aujourd'hui là, je vous dis que ça fera partie des modules de ma formation. J'ai une formation qui arrive en février. La formation s'intitule « Spirituel et riche ». 30 jours. On prendra un bloc de 30 jours. C'est 130 000, donc 200 euros. Hier, je me suis trompé, j'ai dit que 200 euros, c'est 120 000. C'est 130 000. Voilà. Et vous devez comprendre que ce qui fait que vous simplifiez beaucoup les choses, c'est parce que vous n'aimez pas commencer peu. Sandrine dit que son actif, c'est l'élevage. Quand tu crées un actif, tu vois à quelle fréquence l'actif est censé te donner. Supposons que l'élevage te produit quelque chose tous les 45 jours. Si c'est les poules, si c'est le porc, je sais pas. Si c'est les poissons, je sais pas. Si tu sais que j'ai l'argent tous les 45 jours. Ok, je vais donc vous donner le schéma.
Première chose, tu apprends à mettre de l'argent de côté. Économise 20 à 40% de tes revenus. Si tu vis encore chez tes parents, en économisant, ton but, c'est d'avoir des actifs qui vont te produire assez pour que tu puisses te supporter financièrement et déménager. Malheureusement, au Cameroun, on n'encourage pas beaucoup parce que pour déménager au Cameroun, il faut avoir 12 mois de loyer. Tu imagines une jeune fille veut prendre une chambre de 15 000. Elle a besoin d'avoir 150 plus 30 000. Elle a besoin d'avoir 180 000 minimum. Et l'argent de l'agent immobilier. Donc, on va dire 195 000. C'est un peu décourageant. Mais le but, c'est le suivant. Tu économises. Règle numéro 1. Je n'ai pas d'emploi. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Crée-toi. Trouve-toi un emploi ou crée une source de revenus. Tu as les cadeaux. Même les belles filles, là, on vous donne souvent l'argent. On vous donne l'argent. Oui. Maninos. Oui. Souvent, quelqu'un te donne 5 000 noms. Vous savez qu'on peut faire le bisap avec 5 000 noms. Tu peux au marché, tu achètes le bisap de 1 000 francs. Ce sera beaucoup jusqu'à. L'eau au quartier, tu peux acheter l'eau à 300, 400 maximum. L'eau du forage, tu vas faire bouillir de toutes les façons. Tu cherches les bouteilles dans lesquelles tu vas mettre ton bisap. Tu achètes ça peut-être à 10 francs. Ou bien tu calcules les fêtes où on fait, les salles où on fait les événements. Tu pars là-bas le soir, là. Tu ne pars pas pour chercher le gars. Tu peux chercher tes boîtes dans lesquelles tu vas mettre ton bisap. Parce que là-bas, ce sera gratuit. Bonjour, est-ce qu'il peut vous aider à nettoyer? En contrepartie, je prends les bouteilles vides. Tout simplement, hein. Tu vois, même si je ramasse seulement les trucs, tu dis que je ramasse mes bouteilles, mais à côté, mais je ramasse aussi vos poubelles, je ne vais pas jeter. Offrez quelque chose en échange de quelque chose. Tu sais que tu as déjà tes bouteilles. Et si c'est un bon événement africain, tu auras au moins 100 boîtes. Le deuil, le mariage, il y a toujours les petits jus qu'on achète. Si tu n'as pas 10 francs ou 20 francs pour aller acheter ça, tu peux même collecter tellement que tu vends même aux gens. En fait, quand je commence à parler de business, il y a toujours un moyen de se faire l'argent à des petits endroits. Je vous enseigne ces principes parce que ces principes sont appliqués au bas de l'échelle comme en haut de l'échelle. Quand j'ai compris, en étant né en Afrique, au Cameroun, en ayant grandi en tant que de la minorité tribal au Cameroun, je savais qu'on ne devait pas me pistonner pour que j'entre au gouvernement facilement. Donc c'était mort. J'ai compris que je vais devoir créer mon chemin moi-même. J'ai compris que personne ne va m'avaliser à la banque pour que j'ai le crédit. J'ai compris que... Donc il y a des trucs que j'ai compris très tôt. Aucun chocolat ne va, en échange de rien, aucun chocolat ne va venir te dire que voilà l'argent pour lancer ton business. Il va toujours vouloir dire que donne-moi. Viens à la chambre d'hôtel numéro 205 pour prendre l'argent de ton business là. Les filles, vous savez de quoi je parle. J'ai traversé ça. En tant que belle femme, syndicat des belles femmes. Oui, des belles Camerounaises, africaines. Mettez-moi là où vous voulez. Syndicat des belles femmes. On sait ce que c'est quand tu as un business que tu veux faire. On sait tous. Ça devient ton point faible. Donc, j'ai traversé toute cette étape et j'ai compris que... Merci pour la rose, Nelson. Ils ne me donneront pas l'argent. Personne. Personne, chérie. Personne, bébé. No one. Personne ne te donnera l'argent. Hey. Personne ne me donne. Moi, j'ai compris ça depuis longtemps. Donc, j'ai commencé à flex. J'ai compris que soit je crée, soit j'apprends à devenir plus intelligente. En passant, la danse n'était pas planifiée. Mais bon, je pense que c'est entré dans vos cerveaux. Donc, première chose, peu importe là d'où tu me suis, personne ne vient te sauver. Superman ne viendra pas. Clark Kent ne viendra pas se transformer. Non. Donc, une fois que tu as compris ça, tu es seul dans ton film. Si tu viens encore chez tes parents, bonjour Chic, je suis aussi au Gabon, bonjour. Si tu es encore chez tes parents, sache que quand tu vas commencer à vouloir t'élever, il y a quelque chose qui va vouloir te retenir, te bloquer. Donc, ton premier objectif, c'est de créer
assez de revenus pour pouvoir sortir de cette maison et de te supporter financièrement. En anglais, on appelle ça frugal living. Frugal living. Donc, une vie économe. Dans tes débuts, il faut que tu apprennes à vivre de façon économe. De rien, baby girl. Toutes les filles, là, vous allez devenir riches, que vous le voulez ou pas. Quand ils voient une jeune fille qui est riche, ça me plaît. I like it. Donc, frugal living, ça veut dire que tu ne dépenses pas trop. Et dans ton frugal living, dans ta vie économe, ne mange pas la chose de quelqu'un. Tout ce que tu manges n'est pas gratuit. Ta mère qui te nourrit là, c'est pourquoi elle vient t'insulter le matin très tôt. C'est pourquoi le soir, elle commence à te dire, voilà, à 30 ans, tu n'es pas encore marié, tu fais quoi chez moi? C'est pourquoi elle vient te descendre à chaque fois. Ta soeur chez qui tu vis là, c'est pourquoi tu gardes ses enfants après. Tout se paye en énergie. Donc, je suis partie du fait que tu n'as rien. Ok? Mais tu as TikTok puisque tu es en train de m'écouter. Donc, je crois que tu as quand même tu as un téléphone Android. Tu ne m'écoutes pas avec le Nokia 3310 quand même, non? N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu as accès à YouTube. Même sur TikTok, il y a aussi les... Oui, tu seras riche. Je déclare que vous serez de chaud. Riche, spirituelle et belle. Je ne suis même pas au Cameroun, Yann. Tu vois, je suis une petite villageoise camerounaise. Hein? Qui est au Cameroun, quelque part dans un village, qui attend qu'un benguiste vienne la sauver. Tu me connais même? Tu crois que je suis une pauvre influenceuse? Tu crois que je suis une pauvre influenceuse? Bon, continuons. Les filles, écoutez. Bon. Les principes que je vais mettre pour vous, s'il vous plaît, je commence au bas de l'échelle pour qu'une femme ne vienne pas me dire « Wow, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. » Dans tout quartier, il y a les boutiquiers. Et si tu parles bien, il peut laisser que tu déposes ton bissap chez lui gratuitement. Il peut laisser que tu déposes tes œufs gratuitement. Roger n'a pas de téléphone. Eux là, ils sont venus pour faire la peinture. Mais le problème, c'est que il dit déjà de venir, ils viennent tôt, lui-même, il ne vient pas tôt. Comment? Il va se pointer encore ici à 10 heures. On continue. J'ai un ouvrier là qui doit venir travailler, c'est là. Il vient en retard. Bon, continuons. Supposons, on parle de 5 000 francs. OK? 5 000. 5 000 francs au Cameroun. Ça t'achète une alvéole de feu. L'alvéole de feu au Cameroun, c'est combien? On va partir de quelqu'un qui vit encore chez sa mère. Je vais vous donner on va aller pas à pas. Alvéole de feu, OK, 2200. Au Gabon, c'est 3600. Entre 3600 et 3800. Donc, 2200, 1900, on va prendre le plus cher, juste au cas où. Tu dépenses le 100 francs pour aller, tu peux marcher avec 100 francs, tu rentres avec 100 francs. Donc, on va mettre 2300. Donc, 2300 francs. Au Gabon, si c'est 3500, tu vendras plus cher. Donc, on va partir avec le principe du Cameroun. Tu achètes le piment de 200. Les oignons de 200. Tu peux, au marché même, tu peux les écraser avant de rentrer. Tu mets un peu d'ail dedans. Donc, avec 500, tu peux faire ton piment. Et le piment, là, sera tellement beaucoup que tu peux faire un petit sachet. Je voulais déjà embrancher sur le business du piment. Je voulais dire que tu fais un petit sachet, tu mets dans le congélateur du boutique et tu vends. Mais tu allais dire que, wow, tu vends le piment. Oui, il y en a parmi vous. Votre mère fait très bien le piment. Toujours dans les 5 000 là, tu es au marché. Tu achètes les oignons de 1 000 francs.
Parce que le piment, c'est d'abord les oignons. Tu achètes le piment de 500. Tu vends l'autre. Parce que tu dis au boutiquier que comme je mets ici là, quand quelqu'un va manger les œufs, s'il si touche le piment, c'est bon. Dis-lui qu'il y a son congélateur là-bas, il peut acheter. En fait, mes idées sont trop... Écoutez ça. Donc, tu as acheté les œufs, 2300. Piment, avec les petites épices qu'on met dessus pour assaisonner, et tu écrases à 200. Donc, on va dire que ton piment va te revenir à 2000 francs CFA. Et tu auras une dose quand même qui peut durer. Le piment de 2000, vous savez que ce sera beaucoup. Si déjà tu as pris l'oignon de 1000 francs, ça veut dire que tu auras beaucoup. Donc, tu demandes le gaz de ta mère. Et quand tu finis de vendre ces œufs-là, chaque semaine, puisque tu vis encore chez quelqu'un, sur ton argent que tu auras eu, retire 5 à 10%. Tu pars donner. Donne à la personne chez qui tu vis. Arrêtez d'être chiche. Arrêtez. Je t'assure que tu vas voir comment on va te respecter. Quand tu vas commencer à mettre ta main dans la poche pour aider, ne serait-ce que sur... Tu achètes même deux palettes d'eau, tu viens déposer. Tu bois l'eau des gens. Tu manges les archives des gens. Tu pars dans le frigo des gens, tu bois leur jus. Quand vous vivez chez vos parents, tes parents ne te doivent rien. Tu restes ta mère prépare. Tu crois qu'elle a fait comment pour avoir l'argent dans le jus là? Tu vois, au moins ta mère va changer à ton égard. Oui, maman, voici 5000 pour la semaine. Tu as peut-être eu la semaine là, tu as gagné 20 000 dans ton business. On va arriver là-dedans. Mais prenez l'habitude qu'on ne vient pas manger quelque part où on n'a pas déposé. Ça, c'est le premier principe du succès. Premier. Là, par exemple, vous êtes en train de m'écouter. Je vous nourris. Beaucoup n'auront jamais la présence d'esprit de dire qu'ils vont me donner 500. Même envoyer le crédit, même 500 francs que, voilà, pour tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, ça va me donner 100 000 francs, 500. C'est la loi de la réciprocité. Et je vais vous enlever des lits de vos grandes sœurs. Tu dors dans la chambre des enfants, ils pissent au lit. Tu es à côté d'eux. Et tu as 25 ans. C'est pas bon, ma chérie. Tu gardes son enfant. Comme son enfant est encore petit. Dans la journée, tu fais quoi? Beaucoup d'entre vous qui me suivez, ça ne me fait pas plaisir. Quand vous n'avez même pas 500 pour mettre le crédit, la connexion, sur votre propre téléphone. Tu attends que le dragueur, il t'envoie le crédit de 5000. Ou il te fait un dépôt de 5 000, tu vas payer ça avec 3 heures au téléphone. Grâce de Dieu, écoute-moi. Si tu ne peux pas écouter, tu quittes. Tu as même percé plus que qui ici. Bon, on était déjà à... Tu as acheté les œufs, 2300 avec le transport. Tu as écrasé les condiments. Tu as acheté les condiments, tu as écrasé. Tout ça, ça t'a coûté 2000. Tu as acheté les petits plastiques. Il y a les sachets pour emballer ton condiment et vendre. Tu as besoin des petits sachets. Il y a les sachets comme les sachets de la sucette qu'on vend au marché. Tu achètes ça, un, deux, peut-être 100, ça va te coûter 500 francs. 100 petits paquets de comme la sucette. Tu peux utiliser ça pour mettre le bissap dedans ou tu peux utiliser ça pour mettre le piment que tu vas vendre. Voilà. L'huile, tu peux, au début, tu peux un peu voler l'huile de ta mère. Et vous, c'est pour ça que tu dis qu'à la fin de la semaine, quand tu vas vendre, viens donner 500 à ta mère parce que tu as volé son huile de 200. Et tu as volé son gaz. Pas volé forcément, mais tu as utilisé. Donc, quand vous faites le business pour avoir ton indépendance totale, si tu prends quelque chose de quelqu'un pour faire ce business, retire du bénéfice, après tu le remets. Ainsi, tu pourras voir combien tu t'es réellement fait. Et tu verras si ce business est viable ou pas. Tout est énergie. Voilà, tu as volé son sel. On se connaît. Oh, Seigneur. Donc, tu as acheté les plastiques, 500. Là, on est à 2300 plus 2000 plus 500. Donc, il reste 200 francs. Chez le gars, si tu es chez le gars, il ne dit rien. Je sais pas ce qu'il peut te dire. Tu ne voles pas, non. Hey, si tu es le gars, si tu es chez le gars, il couche avec toi. Mais ma chérie, ce qui est à lui et à toi, même si c'est seulement le réchaud à gaz, va te chercher les pauvres. Hein? Excusez-moi.
Petite plaque à gaz de 15 000, c'est à moi aussi, chérie. Excusez. Bon, je vais partir du principe des gens qui vivent chez leur mère, ok? Ne viens pas me distraire. Tu rentres, tu prépares tes œufs. Ça donne 30 œufs. Je rappelle ceci, hein, s'il vous plaît. Dans tout ce que vous faites, si tu fais quelque chose, ça ne te donne pas le bénéfice. Arrête de faire. Moi, je suis caché là-dedans. Si tu fais quelque chose, tu n'as pas le profit. Ne fais pas. Hey, je sors de la maison, non? C'est comme ça qu'on vous a endoctriné. Vous perdez de l'argent tous les jours. Donc, si tu fais les alvéoles d'œufs et tu vends et tu te rends compte que attendez. Bonjour, rendez-vous à chez moi, non? Viens chez moi à 9h15 et puis on part. Je suis à l'heure toujours, hein, monsieur. Je suis déjà debout depuis longtemps. Je continue. Merci d'avoir patienté. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde vend l'œuf à 100 francs. Hein? Tu vends à 100 francs, ça veut dire que tu vas vendre tout. Tu as acheté la viole à 2300 avec le transport et tout ça là. Tu vends, ça te donne 100 francs fois 30, ça fait 3000. Moi, je vendrais mes œufs à 150. Maintenant, en vendant mes œufs pour faire que les gens achètent, tu vas ajouter une touche personnelle. Tu peux faire une affiche que tu es parti faire à Jean-Raphaël à 500 francs. Tu mets ça sur le box. Parce que même pour le fonds de commerce, tu as besoin d'une boîte qui va te coûter 1500 dans laquelle tu vas mettre les œufs. Tu as besoin d'un beau truc de piment. Le conteneur du piment là. Très beau. Donc, tu peux te faire une belle affiche qui dit œufs qui donne la joie au cœur. Quelque chose. Bon, ah, c'est 300 au Gabon. Hey, mais vous pouvez faire dans ça. Tu achètes à 3000. Tu achètes la veuve à 3500. Attends, je multiplie une fois. Moi, je sais, ma calcul, ma plan. Attends, attends. Je crois que ça c'est rentable. C'est plus rentable au Gabon de vendre les œufs. Tu achètes la veuve à 3500. Tu vends l'œuf à 300. Multiplié par 30. Jesus is Lord. 9000. S'il vous plaît. Tu achètes à 3500, tu déposes chez le boutiquier. Mamie, assure-toi que le piment qui va accompagner les œufs là, que ce soit un piment comme ça. Et tu donnes même l'option de goûter le piment. Excusez l'expression du piment, ce n'est pas le piment que vous croyez là. Donc, tu mets, tu dis, goûter le piment gratuitement. Ouais, ça fait bizarre. Si quelqu'un vient de tomber dans le direct, il va croire que je parle de l'autre piment, alors que c'est pas de ça qu'il parle. Tout ce que tu fais donne la possibilité à ton client de goûter. Et le boutiquier chez qui tu déposes, s'il te plaît, ma chérie, dis-lui que tu vas lui donner sa part sur ça. Ne pas draguer le boutiquier. C'est que quand quelqu'un va venir, il ne va pas pousser ta marchandise devant lui. Parce que ton piment fait concurrence avec son beurre et son chocolat. Il va vouloir vendre son beurre. Maintenant, s'il sait qu'il n'aura pas d'intérêt à vendre tes œufs, tu vas venir trouver qu'il a même déposé quelque chose devant ça, ça cachait même l'étiquette de tes œufs. Donc, quand tu fais le... C'est comme ça que tu commences le marketing de réseau avec tes boutiquiers. Je gagne, tu gagnes. Je gagne, tu gagnes. Chic et doré. C'est le seul boutiquier de ton quartier. Hein, chérie? C'est le seul boutiquier de ta ville.
sais pas tes œufs, tu prends le taxi, tu marches dans la ville. Les œufs font 2 jours avant de se gâter. Tu dis seulement que le soir, pardon, papa, porte, tu mets au frigo. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Et je vous connais. Parfois, vous venez supplier seulement. Il voit l'espace que ça va prendre sur son comptoir. Écoutez, hein, toute personne dans cette vie, si elle trouve un intérêt. Maintenant, c'est le tout, c'est que tu vas, pour évoluer dans le business, tu donnes un intérêt à l'autre personne qui t'écoute, un intérêt qui ne va pas te coûter de l'énergie. Parfois, vous partez échanger plutôt votre chocolat pour l'argent. Parfois, tu vas faire, la personne va te prendre au téléphone 3 heures de temps, parce qu'après, il va te donner 30 000. Ça te coûte trop. Voilà, à l'école même, va dans l'école, l'école du quartier. Oignon, piment, 2 pépères. Un dindian sang, l'huile et le tout est joué. Ha! Voilà, on dirait la recette du piment qu'on a donné. Merci beaucoup, Manga. Quittez avec vos peurs. Je n'aime même pas le mot peur. Tu as peur que quoi? Reste pauvre. Mais il faut rester pauvre, ma chérie. Il y a cela 5 ans. 2015 et 16, je me baladais en Angleterre, je n'avais pas de papier, j'étais en Angleterre, je faisais les beignets, je tape ça le matin, il fait frit, 5 heures c'est déjà refroidi, je mets dans les plastiques, j'emballe, 5 beignets, je m'en ai 5 beignets à 1 pound, 5 beignets à 1 pound, je mets dans ça, je mets dans le plastique, dans le sac de Lidl, je marche, je suis allé même jusqu'au Coventry, de Birmingham à Coventry pour déposer. Et il y avait des jours où je partais seulement pour découvrir de nouveaux magasins. J'arrive, je propose à la personne, je lui donne, il mange. Je lui dis, goûte, goûte, c'est bon, goûte. Je prends un coup, parce que moi-même, il mange. Je mange, il mange. Quand il mange, là, il dit, ah, c'est bon quand même. Hein. Je lui donne des options. Qu'est-ce que tu vends? C'est vrai qu'après, par la suite, ces personnes appréciaient tellement ce que je fais. Genre, waouh, c'est bien, vraiment, j'apprécie ton courage. Hein. Bon, c'est vrai que tu as une recette peut-être de 20 pounds cette semaine. Si tu veux lui donner peut-être 5 pounds, il dit que non, 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 ça va pas avec, pas avec. Mais que tu as déjà proposé quand même. Ok. Bon. Quand tu vas vendre tes œufs au Cameroun, si tu vends à 100 francs, tu ne t'en sors pas. Parce que ça va te donner, tu as dépensé 2300. Tu déposes chez le boutiquier, ça te donne 3000 francs. Mm-mm. Donc ça, tu es obligé de vendre tes œufs au moins à 150 ou 200. Tu as bien dit, les gens, ça ne les gênerait pas d'acheter les œufs à 200. Si le piment qui vient à côté est bien fait. Il y a des atouts que vous ajoutez à côté. Bon, j'espère que vous avez compris l'autre là. Maintenant, quand tu fais ça, deuxième semaine, le bénéfice que tu as reçu de là, tu augmentes. C'est-à-dire, tu peux mettre... quand on vend et l'argent disparaît. Quand tu, écoutez bien, deuxième semaine, le bénéfice de ton premier. Écoutez, non. Tu as vendu les œufs. Tu as commencé à faire une semaine, deux semaines, le bénéfice est sorti. Le bénéfice de ça, tu as déjà planifié que tu vas lancer le bisap avec. Je vous ai attrapé. Parce que que l'argent, ça a disparu comment? Si tu as prévu que tu vas faire le bisap avec, dès que tu passes chez le boutique, il te donne un gars à vendre, qui l'a vendu, tu fais comment? Bisap, non? Hein? Oui, monsieur Ango. Oui, parle. Je suis prête depuis, monsieur. D'accord. Bye. En faisant le premier business, tu as déjà le deuxième business en idée. Et quand vous partez sur un marché, c'est quelque chose avec au Gabon que j'ai vu qu'on peut vendre la bouteille de jus de Bissap. Comme ça là, c'est combien au Gabon? Bissap ici, c'est combien au Gabon? Mille francs. Au Cameroun, c'est combien? Au Cameroun, ça, c'est combien? Sibody, oh, Sibody. Tu vois, jeune fille étudiante, tu vendais les œufs et les tripes. Abidjan, c'est 1500.
Cameroun, 1000 francs. Je crois que ça, au Gabon, c'est 1300. En tout cas, moi, là où j'ai acheté, c'est 1300. La petite boîte de cette boisson, je crois que c'est 400. Ça, là, c'est pas seulement 1000 francs. Moi, j'ai acheté plus de 1000 francs. Voilà. Tu as bien précisé que c'est 2500 à Niamey si c'est bien fait. Voilà, 1300. Ça, c'est le prix que j'avais acheté au Gabon. Bye bye, Candy. Quand tu... C'est au Gabon que je suis qu'on pouvait vendre ça à plus de 1000 francs. Hein. Il y a des gens qui font même ça au Cameroun à 500. Si tu t'amuses, tu vas trouver ça à 500. Oui. Il y a des gens au Cameroun qui te font 30 centilitres à 100 francs. Les gens, au Cameroun, les petites boîtes, ils font 100 francs, non. Au Gabon, c'est 400. Tu vois, au Bénin, ils disent que c'est 100 francs. En fait, je vous dis ça pour faire... À Chopeyamo, une boîte de bisap, c'est combien? Chopeyamo, au Cameroun. Cameroun, 33 centimes, c'est 100 francs. Mm-hmm. Chopeyamo, le bisap à Chopeyamo, c'est combien? Il n'y a pas de Camerounais qui mange à Chopeyamo, 1000 francs. 33 centilitres que vous vendez, certaines personnes vendent à 100 francs. Au Camer. Parce que tu vas t'asseoir quelque part, on te vend ça à 1000 francs. Ok. Dans tout business, il y a la basse classe, il y a la haute classe. C'est toi qui choisis là où tu te positionnes. Et crois-moi, si tu choisis la haute classe, tu dois faire le branding. Tu dois prendre du temps. Les services que les gens payent un peu plus cher, c'est ce qu'il y a à côté qu'ils achètent. Vous suivez? De rien pour ceux qui disent merci. C'est ce qu'il y a à côté. Tu peux peut-être décider que on vous fait le bisap, on vous livre ça à domicile. Tu restes devant ton portail ou bien tu es au travail à midi. On te livre ça devant ton... Donc, ta table de bureau est comme ça. On vient te déposer sur ta table comme par là. Maintenant, les gens vont payer tes idées et le transport que tu vas... Et ton temps que tu vas prendre pour venir leur donner. Vous comprenez? Beaucoup d'entre vous, quand vous faites... Parce que vous voulez seulement imiter. Tu es parti voir la femme du quartier... Elle déposait ses bisap là-bas. Après, je te dis que je vais aussi faire la même chose. Pas de vision sur ça. Pas de vision pour faire que ce soit un peu mieux. C'est pour ça que je ne crains pas ceux qui me copient. Je suis l'original. Même dans le sommeil. Écoutez, si je ne le faisais pas dans la spiritualité, je me mets sur moi et parle, j'enseigne. Aujourd'hui, est-ce que je suis en train de parler de spiritualité aujourd'hui? C'est pour ça que les gens, les gangas qui vont venir me copier, je ne tremble pas. Je connais la touche que j'apporte à mes choses. Tu dois connaître ce que tu apportes dans ce que tu veux faire. Vous me suivez, non? Et c'est ça que les gens vont acheter. Il y en a parmi vous, vous avez des assos. Chez nous, on les appelle assos. Que quand tu arrives au marché, tu as n'importe, mais c'est 50 femmes qui vendent. Tu as ta personne chez qui tu pars. Parce que tu connais. Et tu sais que si elle prend, elle te dit que ça c'est bon, tu ne doutes pas. Ce que mon assoir dit que l'autre aussi est bon, c'est ça que je prends. Vous comprenez un peu? Parce que vous ne faites pas confiance à ce que vous portez. Tu peux être à l'étranger par exemple. Tu travailles. Et tu remarques que à la Réunion, beaucoup de Camerounais se plaignent que voilà, tu vois qu'il y a beaucoup de célibataires. Tu te dis, mais attends, les week-ends je peux préparer. Tu commences, tu achètes les grosses marmites là. Tu fais, on t'envoie ça par conteneur là-bas où tu pars à château, où tu achètes les grosses marmites. Tu achètes aussi les foyers de gazinières, la costaud là. Tu prépares, tu mets dans des Tupperware, tu vends. Un entrepreneur à la base, c'est quelqu'un qui veut résoudre un problème. Maintenant, vous avez les mêmes PSC parce que vous n'êtes même pas d'abord axé. Pour vous,
Pour que vous puissiez résoudre un problème, il faut que quelqu'un vienne vous donner l'argent. Aide-moi. Investis sur mon business. Non. Il y en a. Vous avez des enseignements dans vous qui sont tellement... Ce que j'enseigne là, vous connaissez ça. Va faire ta page, tu enseignes ça, chérie. Je fais dans la spiritualité. Je suis en train de vous enseigner sur l'argent aujourd'hui. Et j'ai mis manque percée pour que vous compreniez d'abord. Manque percée, c'est primordialement parce que tu ne sais pas quoi faire de ton argent. Parce que tu ne connais pas dire non. Oui. Tu ne connais pas dire non. Et tu es très faible devant les situations. Tu es faible. Et beaucoup d'entre vous dépendez financièrement d'autres personnes. Tu es encore chez ta tante, tu es chez ta soeur à 25 ans. Ma chérie, sors, je vous dis moi, sors de la maison là. Donc quand tu as commencé à économiser l'argent des œufs, la semaine qui suit, tu lances le BISAP. Tu peux essayer de stabiliser les deux business là. Après, tu te dis, les deux business, si tu les fais bien, ça peut te rapporter par, si on prend par jour, supposons chaque bénéfice, chaque business te rapporte un bénéfice quotidien de 2500. OK? 2500. Allons sur le minimum. 2500 de bénéfices. Je sais que tu vas aller faire les œufs, tu vas rester sur un boutiquier, alors que tu aurais pu aller déposer dans trois boutiques. Moi, quelquefois, je fais un truc, je vois toujours la grande échelle. Tu aurais pu aller déposer chez 4-5 boutiquiers. Tu aurais pu ajouter le bisap. Après, là, tu ajoutes les beignets. Après, tu ajoutes le gâteau. Tu fais les gâteaux, tu découpes en petites parts. Vous savez que le gâteau tient. Le gâteau tient beaucoup de jours avant de se gâter. Si tu te décides, en 4 semaines, tu peux lancer 4 activités qui ne demandent rien. Elvige, vous n'allez que sortir des maisons. 2500 par jour, multiplions ensemble. Fois 6 jours. Ouais, Oh, la pauvreté. Pauvreté gère trop les gens. On vous enseigne, vous ne comprenez pas. On vous enseigne, vous ne voulez pas écouter. Pauvre. Pauvreté rend aigri. Si c'est moi, au départ, je travaillerai tous les jours. Écoutez, je peux facilement vous enseigner ceci parce que c'est comme ça, c'est ce que j'ai fait. Je ne vous parle pas de fiction. Je suis en train de vous dire que quand j'avais 3 ans, je vendais, j'ai fait. Ça fait que chaque semaine, tu as 15 000 francs. 15 000 francs. Que c'est sûr, mais pour tes 15 000, tu dois t'activer. Après, tu vas te retrouver, à tête d'acheter une grosse marmite. Tu fais même 5 avions d'œufs par jour. Tu pars, tu déposes dans 4 boutiques. Et après, tu peux aller voir, tu commences à faire tes sandwichs. Tu déposes l'autre là, tu attends qu'on vende. Tu approches maintenant les bureaux. Je peux vous faire des sandwichs que je viens vous livrer. Tu commences à faire des sandwichs aux œufs avec de la sardine. Après, tu varies. Quand tu loues ta chambre, que tu payes 15 000 le mois. Quand tu as on est à 15 000 de bénéfices par semaine, non. 2500 par jour. Ne partons pas beaucoup. 2500 par jour. Le premier mois, quand tu as 2500 par jour, 15 000 la semaine, 10% c'est ta dîme. 1500 par, tu mets pour ta dîme. Ça veut dire que par mois, tu payes 6 000 francs de dîme. Tu as 60 000 francs de revenus par mois. Tu peux prendre 5% de ces 60 000. 5% de 60 000, ça te fait peut-être 3 000. On m'entend un peu. OK? On peut monter à 5 000. Donc, c'est presque 9%. Tu prends 9%, tu donnes à ta mère, la personne chez qui tu vis. Tu es en train de payer ton droit de vivre à la maison. Je vous ai dit qu'on ne soyez pas seulement des mendiants. Tu es en train d'apprendre à te responsabiliser. Si tu lui donnes déjà 10 000 francs par mois, tu pourras facilement payer ta chambre à 15 000 demain. Donc, tu mets un nombre de temps. Tu dis que pendant ce temps, je donne les pourcentages maintenant. Prenez de quoi noter pour les pourcentages. Donc, 10% de ton revenu part pour la dîme.
5%, ça part pour tes offrandes. Tu peux décider peut-être. Non, on a vu ici là qu'avec les œufs du Gabon, j'ai pris avec pour le Cameroun. Les œufs du Gabon, tu vends, tu achetais la viande à 3500, tu vendais à 9000. Bah, c'est 300 francs l'œuf. Donc là, ce que j'enseigne, tu peux appliquer ça au Gabon. Seulement que les sommes diffèrent. Je vous parle en termes de pourcentage, s'il vous plaît. Ne soyez pas distrait. Oui, allô? Je suis en train de sortir. Allô? Tu es là? Tu es là déjà? Ah! Oh! C'est pas possible ça. Je dois partir. Je lui ai dit 9h15. Il est là à 9h15. Bon, je vais voler 10 minutes. Il va m'attendre. Je dois vous expliquer d'autres signes. Donc 10% va dans ta dîme, ok? 5% offrande. Tu peux même souvent dire que si tu fais les œufs, tu peux donner, décider de donner un sandwich gratuit par jour, par semaine, tous les deux jours, je ne sais pas. Donc tu vas trouver une œuvre caritative. Peut-être quand tu arrives, le reste des œufs que tu n'as pas vendus, tu prends peut-être deux sur ça, tu donnes. Donc, mets la partie caritative, s'il te plaît. Important. Je vous donne les bases du business. On est déjà à 10% pour ton loyer que tu as donné à ta mère. Ok? Tu mets de côté 20% que tu économises. Et tu prends 20% que tu remets dans le business. C'est ça que tu mets de côté pour pouvoir lancer l'autre business. Donc, dans tes pourcentages d'argent, étant donné que tu vis chez tes parents et que 10% passe seulement sur ton... que 10% de cet argent passe sur ton, ton loyer. Donc, si on voit les pourcentages, 10% dîme, 10% loyer, ça fait 20. 5% offrande, ça fait 25. 20% économie, ça fait 45. Ça veut dire que tu peux prendre carrément 40% de ce que tu as travaillé au début de ton business pour réinvestir. Ok? Pour réinvestir. Donc, quand tu commences à prendre cela, plus tard, oui, je sais qu'il est là, j'arrive. Non, les proportions après sont lesquelles? Comme tu t'es déjà habitué à mettre 40% sur... Tu es en train d'économiser 20%. Hein. Et les 20% que tu économises, c'est pour ton... pour payer ton loyer et partir de la maison. Donc, tu peux te donner 6 mois dans cette maison. Et si tu prenais 40% au départ pour investir dans ton business, au bout de 2 mois, tu peux avoir déjà lancé 3 activités. 3 activités qui tournent. Donc, maintenant, tu diminues l'investissement que tu prenais de 40% là. Tu diminues ça à 20%. Et maintenant, tu mets 40% de côté pour vite déménager. Parce que pour déménager, tu as besoin d'acheter au moins un matelas. Tu as besoin d'avoir une chaise chez toi, une table, des petites choses comme ça. Donc, tu as besoin de mettre de l'argent de côté. Donc, au départ, tu fonces d'abord pour investir, pour que ça te produise de l'argent. Et tu t'es fixé 6 mois pour déménager. Donc, pendant ces 6 mois-là, tu mets l'argent de côté. L'argent de côté. Ça, c'est une couronne de paire de corrie. Tu mets l'argent de côté, l'argent de côté. Cet argent te permet de payer ton loyer. Et pendant que tu es encore à la maison, tu peux me l'aider à acheter ton matelas. Tu dis que le mois, c'est acheter le matelas avec 2 plats. Le mois prochain, j'achète la chaise. Tu déposes chez toi. Comme ça, quand tu déménages, tu n'as pas de vide trop énorme. Et quand tu déménages, tu peux aller dans un endroit où tu ne payes pas trop le loyer. Je te conseille, tu peux prendre une chambre qui est maximum 15 000 au Cameroun. Ok? Bon, je dois partir. J'ai des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec un ambassadeur à 10 heures. Je ne dois absolument pas rater. Je ne dois pas être en retard. Ce ne serait pas très cool. Ok? En voiture, il y a du haut. You get me? Donc, on a la formation spirituelle et riche qui va se passer. Ça se passera le 1er. On commence le 1er février. Voilà. Donc, la formation, c'est 1 mois et c'est 130 000. Ça, c'est pour les personnes que vous avez déjà commencé 2-3 activités. Aujourd'hui, j'ai enseigné sur les femmes de base. Que tu n'as même pas 60 000 ou 70 000 le mois. Mais dans la formation, on ira chez les personnes que vous êtes déjà dans les 1 million, 2 millions le mois. Ok? Je pense que si tu mets 130 000 pour pouvoir te discipliner et augmenter tes revenus, avec les investissements de 130 000, tu es censé normalement avoir au moins 1 million, 2 millions. Ok? Super. C'est ça, cette vidéo est enregistrée sur Facebook. Vous pouvez la regarder après. Ok? Je vous fais plein de bisous. Ma page Facebook, c'est The Gift Digger Academy. YouTube aussi, c'est The Gift Digger Academy. Ok? Bye bye. Ce n'est pas en présentiel.
Vous avez 2 semaines pour payer en passant. Voilà une question que j'ai vue. La formation est à distance. Toutes mes formations sont à distance. Mes consultations, c'est à distance. Ah, je te vois, monsieur. Tu es venu pour poster quand je partais. Attends, il te bloque d'abord. Decepticon. Ça se fera à distance sur Zoom. Mais vous aurez des devoirs tous les jours et vous aurez accès à moi aussi tous les jours. Voilà. Bye bye. Ouais, donnez-moi le. Écrivez le nom de la page sur TikTok. Écrivez le nom de la page sur TikTok.